Nils Muižnieks, commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, écrit, je le cite, « Les terroristes se nourrissent des peurs. Ils veulent nous faire croire que nous devons choisir entre liberté et sécurité. Or, une démocratie n'a pas à faire ce choix. Un État démocratique doit s'opposer à la barbarie du terrorisme en évitant d'affaiblir l'État de droit et le respect des droits de l'homme. Ne pas réussir à trouver cet équilibre serait une victoire pour les terroristes. » Fin de citation. C'est exactement ce que nous voulons. Au lieu de chercher à comprendre, non pour excuser, mais pour agir efficacement et pallier nos propres faiblesses, nous continuons d'empiler les lois liberticides comme nous l'avons fait après les attaques de janvier 2015, sans pour autant, hélas, empêcher la tragédie du 13 novembre.